jardin d'enfants au milieu d'un parking. Mais vous trouvez pas ça dangereux, vous? Ah bah non, au contraire, dans le parking, les voitures bougent pas, c'est mieux. Oui, c'est logique. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. Au début des années 70, les salles de cinéma se vident et les habitudes changent. Le marché de l'immobilier flambe et la commande doit liquider des biens, parfois au rabais par rapport à leur valeur réelle. Les multisalles, pas encore appelées les multiplex, arrivent pour tenter de renouveler le concept. Et la Gaumont, qui avait rencontré certaines déconvenues, en la personne d'Alain Poiré, qui avait refusé par exemple le Corniaux, et qui était passé à côté de la Grande Vadrouille, et qui tentera de se rattraper sur la Folie des Grandeurs, mais la disparition de Bourville et l'argent avancé pour sa participation et le scénario à réécrire feront que le film coûtera bien plus cher. Et la Folie des Grandeurs ne fonctionnera pas aussi bien qu'espéré, avec ses 5,5 millions de spectateurs, une mini déception. Mais au début de ces années 70, qui marque un tournant, un producteur va tirer son épingle du jeu à cette période. Christian Fechner et son réalisateur fétiche, Claude Zidi, va produire Les Bidas en folie avec les Charlots, jadis un groupe de musique reconverti en acteur. Le film va même battre la Folie des Grandeurs cette année-là, avec quasiment 7,5 millions d'entrées, un véritable raz-de-marée qui sera le point de départ de toute une série de films. Dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Honte à moi, alors je connaissais deux noms, et vous m'avez suggéré d'en regarder au moins un plusieurs fois. C'est même vous qui m'avez conseillé celui d'aujourd'hui, Le Grand Bazar, soi-disant leur meilleur, ce qui est peut-être pas bon signe pour les autres. Mais est-ce que j'ai passé un aussi mauvais moment que ça finalement? Je garde le suspense pour la fin. En tout cas, installez-vous confortablement, aujourd'hui on parle du Grand Bazar et des Charlots. Quand j'écris une vidéo sur Claude Zidi, je me sers de son livre qui parle de tous ses films un par un et qui est assez riche en anecdotes. Mais comme les Charlots, c'est pas hyper populaire sur internet, sauf par ceux bien sûr qui connaissent déjà, je vais faire simple aujourd'hui. Je vais résumer le film, pour ceux qui ne le connaissent pas, donner mon avis, et à la fin je donnerai juste quelques anecdotes. Commençons par le début pour aujourd'hui, de quoi parle Le Grand Bazar. Après leur service militaire et des vacances olympiques, Zidi souhaite confronter les Charlots au monde du travail qui n'est évidemment pas fait pour eux. D'abord dans une usine de tondeuse à gazon, d'où ils se feront très vite virer, puis dans des tentatives vaines de reconversion diverses, en livreur, en agent immobilier ou en mécano. Mais les quatre copains de la même cité HLM préfèrent se retrouver au comptoir du bistrot des Mille, joué par Michel Galabru, dont le commerce à l'ancienne fait également office d'épicerie et de garage à moto. Mais l'ouverture d'un supermarché sur le trottoir d'en face menace le modeste commerçant. Déjà noyé au milieu des barres d'immeubles, il est menacé de disparition sous l'envahissante publicité du nouveau temple de la consommation. Les Charlots, qui ne se révèlent jamais aussi efficaces que dans l'adversité, contre les règles et contre l'autorité, vont alors se mobiliser pour sauver le petit commerçant en danger face au supermarché puissant et son patron, joué par Michel Serrault. Commence alors une guerre entre les deux commerçants qui vont user de leur stratégie pour attirer à eux les clients et pour faire couler l'affaire de l'autre. On enchaîne avec une petite partie fiche technique. Le Grand Bazar est une production à bas budget, financée par le duo Fechner-Berry, qui vont régner dans la production durant les décennies suivantes. Le film est tourné majoritairement dans des décors naturels, notamment les scènes tournées dans un réel supermarché à Tismons, qui est devenu depuis un carrefour, qui est toujours là. Décors en studio plus présents que d'habitude par rapport au film précédent, notamment pour les scènes d'intérieur dans l'immeuble, avec les cages d'escalier, avec les paliers, ou encore la salle du bistrot, mais aussi pour l'appartement en location que visitera un certain Coluche, peu connu encore à l'époque, que Zidi dirigera 3 ans plus tard dans la Zizanie. C'est drôlement calme, vous verrez, c'est comme s'il n'y avait pas de voisins. On en reparle à la fin de Coluche parce que j'ai une anecdote sur lui par rapport à son rôle dans le film. Autour des Charlots, nous retrouvons de grands acteurs, dont certains étaient encore en devenir à l'époque, comme Michel Serrault, car c'était juste quelques semaines avant le début de la Cage aux Folles au théâtre. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas du tout entendu avec les Charlots, jaloux de leur réussite, alors que lui-même n'explosait pas, ce qui viendra pourtant, et il ne le sait pas encore, quelques jours après, le 1er février 73, première de la pièce, Les Cages aux Folles. Et avec le recul, le fait qu'ils s'entendent pas avec les Charlots, c'était plutôt bien pour le film, parce que les Charlots ne sont pas censés s'entendre avec le directeur du supermarché. Ceci dit, Coluche non plus ne s'entendait pas très bien avec les Charlots. On en reparle plus loin dans la vidéo. Nous y trouvons aussi Michel Galabru, impeccable et qui apporte beaucoup au film, et également Roger Carrel en commissaire priseur. Et d'autres acteurs et actrices connus ou qui seront connus plus tard font un caméo, dont Dominique Lavanant, en conductrice en panne, dont la voiture ne s'en remettra jamais.
Ou encore, et là ça me fait très plaisir, Martin Kelly. À sa sortie, le film totalisera 3,9 millions d'entrées en France, se plaçant ainsi à la 4e place du box-office de l'année 73, derrière Rabbi Jacob, ou juste derrière le premier volet de la 7e compagnie. Une belle année 73 quand même au niveau des sorties françaises, parce que ces trois films étaient à voir absolument, et j'ai pas toujours dit ça. Voici ce que j'ai pensé de ce film en totale découverte en 2023, et après on finira avec les anecdotes. Quand le film a commencé, malgré le premier plan du film qui est vraiment super, avec ce plan sur une publicité de HLM avec soi-disant des jolis arbres et la caméra se lève pour qu'on puisse voir juste derrière la réalité, je me suis quand même dit globalement, qu'est-ce que ce film est moche. J'avais dit dans la vidéo de la 7ème compagnie que le film était terne en 73, alors que la même année on avait Rabbi Jacob, qui est un film visuellement bien plus abouti, bien plus éclairé, avec plus de moyens. C'était pas qu'une question d'année, c'est aussi une question de matériel, de caméra, d'éclairage. Mais quand tu compares la 7ème compagnie à ce film de Claude Zidi, il est beau à côté, parce que celui-là, non seulement il est filmé dans un cadre très urbain, donc très gris, mais en plus c'est très terne, enfin c'est très moche et ça fait très vieillot. Donc ceux qui ne connaissent pas du tout en 2023, notamment Le Grand Bazar, il va falloir faire abstraction du visuel un instant. Parce que derrière, ça vaut le coup. Il y a encore une pièce. C'est la salle d'eau. Pourtant, c'était pas gagné. Tant les premiers gags du film où chacun va essayer de se réveiller les uns les autres m'ont fait un peu peur. Parce que ces gags sont d'un lourd. Le gars qui donne un coup de pied dans un mur et ça éjecte le mec qui est de l'autre côté, qui dormait de l'autre côté du mur. Dépêche-toi, on va être en retard encore. Oh bah t'aurais pu lire, hein. En même temps, ça te permet de comprendre que tout ce que tu vas voir n'est pas très rationnel. Au moins, on sait qu'on va voir des choses qui sont absurdes. Pas comme un certain film du Splendide que je ne nommerai plus. Où on m'a dit, t'aimes pas parce que c'est absurde et t'aimes pas ça. Mais si, j'aime l'absurde quand c'est bien fait et quand surtout c'est balancé. Tu comprends assez vite que certains gags du Grand Bazar sont là juste pour t'en mettre plein les yeux, pour la caméra, même s'ils n'ont aucun sens. C'est juste pour le plaisir de ne pas savoir ce qui va se passer, parce que tout est possible, et j'aime bien ce genre de film. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais l'avantage de mettre un gag toutes les 5 secondes, et j'exagère pas, toutes les 5 secondes il se passe quelque chose, il y a un gag que t'aimeras sur 4 ou sur 5 ou sur 6 ou même sur 10, mais il y en aura toujours un en quantité que tu vas aimer, même si les autres tu vas dire mouais. Mets ça dedans. Mais il y a quand même des gags qui m'ont parlé à moi, et je pense qu'il y en a pour tout le monde. Ah, c'est chauffé par le sol. Par le sol? Oui, par le sol, c'est très efficace d'ailleurs. Hein, là, hop. Et c'est un système sûr. Quand on fait visiter l'appart à louer, parce qu'il y en a un des Charlots qui se reconvertit en agent immobilier, il fait visiter l'appartement à Coluche et à sa nana. Coluche, pas encore connu. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre très grande. Et l'appartement, il se casse la gueule d'un peu partout. Le gars, il essaie de bien le vendre en disant que les fenêtres s'ouvrent comme ça, alors qu'en fait, il est en train de les péter. Coluche est en train de dire, oh, bah, c'est pas grave, on va pas forcément ouvrir la fenêtre. Donc lui, il veut son appart et il s'en fout, il voit pas les défauts. Et puis quand ils arrivent à parler du mode de chauffage et qu'ils soulèvent du coup le plancher et qu'il y a du feu qui en sort, tu te dis, voilà, ok, ça n'existe pas. Mais c'est drôle, c'est plutôt bien vu, le parquet chauffant. Quand t'as une belle poursuite, moto-voiture, et que tu vois que la voiture de policier va devoir suivre deux motos qui vont bifurquer dans une voie en Y, tu le vois venir quand tu vois cette route, mais tu oses pas te dire qu'ils vont le faire. La voiture qui avance et qui poursuit les deux motos se sépare en deux. Quel qu'on suit, les deux crétins. Mais c'est génial, c'est un des meilleurs plans que j'ai jamais vu, ça. Et je vous garantis, j'y ai rigolé comme un gamin. Quand le personnage de Galabru boit verre sur verre au fur et à mesure que les Charlots lui ouvrent les enveloppes du courrier qu'il a reçu, qui annonce que des mauvaises nouvelles et des factures à payer, il boit un verre de plus en plus grand, on devine qu'il va finir avec un truc astronomique. En fait, tout est comme ça.
Le film, il est très gargantuesque en termes de moyens, en termes de gags. C'est très, très, très visuel, donc j'adore ça. C'est y a-t-il un pilote dans l'avion à la française, en fait? Le gag des livraisons qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes à porter, il porte une pile au bout d'un moment d'au moins 10 mètres de haut, le gars. Il y a à boire et à manger dans les gags, hein. Vous ferez votre tri, mais je vous garantis qu'il y en a quelques-uns qui vous concernent vous, parce qu'il y en a un peu pour tout le monde. Il débute, hein. Et le film ne tourne jamais en rond, parce que si tu fais que des gags lourdeaux qui n'ont pas vraiment un but pendant une heure et demie, tu t'emmerdes. Mais une fois que t'arrives avec la problématique du supermarché et que les charlots vont essayer de voler ce qu'il y a dans le supermarché pour essayer de donner des choses à vendre à son concurrent en face, faut oser quand même. Et tous les stratagèmes façon les sous-doués en fait, avec leurs techniques pour voler des trucs, vider des bouteilles d'eau où ils peuvent pour les remplir d'alcool et payer l'alcool au prix d'une bouteille d'eau. Tout ça pour ramener au gag de Michel Serrault, c'était pas le meilleur gag du film, mais qui boit quelque chose et qui d'un seul coup crache du feu. Parce que c'est très fort, où on voit très bien que d'ailleurs qu'il crache dans quelque chose, au niveau du plan on voit bien qu'il n'y a pas que la bouteille, mais il le cache même pas, hein. C'est tellement n'importe quoi. C'est bien passé avec moi. Vous voyez, je suis content. Je suis content que vous m'ayez recommandé ce film. Parce que clairement, je lui mettrais un bon 13 sur 20. Facile. Parce que j'ai passé un bon moment, même si pendant 2 minutes, faut les passer, je me suis demandé où j'étais. Hé, hey, la pendule, elle marche à l'envers. Puis j'ai compris. Le coup de se servir de catapulte pour passer des objets par-dessus les caisses pour éviter les codes-barres et de se faire griller. Il y a même un moment où ça part en comédie musicale. Quand ils doivent accueillir des clients en musique pour faire concurrence aux méthodes du supermarché, ça passe très bien. Et les affaires fantastiques, terrifiques, mirifiques. En même temps, c'est des musiciens de base. Ils savent maîtriser une scène. Une scène dans le sens scène musicale. Moins la scène de cinéma, parce qu'apparemment ils étaient assez ingérables et Claude Zidi devait, c'est une anecdote avant l'heure, il devait souvent leur dire volontairement l'inverse de ce qu'ils devaient faire pour qu'ils le fassent, parce que c'était des vrais rebelles. Ils sont assez proches de leur personnage, hein, les charlots. On va pas se quitter comme ça, on arrose. Bah, allez, on arrose. Voilà. Ah, sans compter qu'on a aussi une dénonciation précoce du danger potentiel des grands supermarchés par rapport aux petits commerçants dont on revient petit à petit aujourd'hui, 50 ans après. Donc ce n'est pas politiquement neutre. Il y a quelque chose dans ce film. Il y a quelque chose d'intéressant en plus à analyser de ce film. Donc franchement, ça m'a presque fait l'effet de la 7ème compagnie au niveau de la découverte. Alors que la 7ème compagnie, je l'ai longtemps snobé. Et les charlots, je comptais jamais y mettre. Parce qu'on m'avait toujours dit, tu verras, c'est craignos, c'est ringard, c'est nul. Sauf peut-être celui-là. Mais j'ai hâte de voir les autres. Même si peut-être que je serais déçu parce que apparemment c'est le meilleur. Mais je vais tous me les faire. On va se quitter avec quelques anecdotes. Il y en a 5. C'est parti. C'est un véritable lion qui est utilisé dans la scène où Jean Sarnus doit faire une livraison chez une cliente. Encore de l'absurde. Tu vas livrer un colis chez quelqu'un, elle ouvre la porte, elle a un serpent autour du cou et un lion animal de compagnie. Au moins, tu comprends que c'est n'importe quoi. Pas comme un certain film. Le dresseur de lion le prévient avant la prise. Il ne faudra pas avoir peur, sinon le lion le ressentira et tu seras en danger. Mais rassure-toi, je serai toujours derrière. Mais dès la première prise, c'est dramatique. On entend derrière la porte quelqu'un qui tombe par terre. C'est le dresseur qui se faisait tirer par son lion. La nana qui veut ouvrir la porte avec le serpent part en panique. Elle se planque derrière le charlot. Le charlot a peur du lion, il se planque derrière la nana. Une vraie scène de comédie qu'on n'aura pas malheureusement dans le film, parce que ce n'était pas dans le scénario. Et il aurait fallu 13 prises pour qu'on ait la scène telle qu'on la voit dans le film. Coluche n'a eu qu'une seule journée de tournage pour sa scène. Un Coluche apparemment pas sympa avec les charlots. Coluche pensait alors que les charlots étaient de vrais charlots, et surtout de vrais cons, tout comme Claude Zidi, de faire du cinéma aussi populaire. Alors que lui aurait bien un scénario tout prêt, plus ambitieux mais dont les producteurs ne voudraient jamais. C'était gonflé quand on t'invite à faire un film même si c'est qu'une journée, de presque insulter les acteurs principaux et surtout le réalisateur, qui va t'engager 3 ans après. En même temps, c'est un peu Coluche l'insaisissable. L'un des charlots dans le film est Jean-Guy Fechner, le fils du producteur Christian Fechner, qui justement produit le film. Après le grand bazar, Christian Fechner obtient auprès de Louis de Funès un accord de principe pour tourner un film ensemble. Ce sera Merci Patron, un film qui mettait en scène la rencontre entre De Funès et les charlots. Mais en 75, victime de deux infarctus, Louis de Funès doit réaménager son planning.
le cinquième gendarme, le gendarme à l'exercice est annulé, ou plutôt reporté, ce qui deviendra le gendarme et les extraterrestres, le crocodile de Gérard Horry est passé à la trappe, et Merci Patron deviendra l'aile ou la cuisse. Sans les charlots. Il y avait quand même du lourd qui attendait Louis de Funès dans cette année 75, je suis quand même dégoûté que la vie en ait décidé autrement. Dernière anecdote, en 2013, une suite devait être tournée, mais le décès de Gérard Rinaldi mit fin définitivement au projet. C'est dommage, car Michel Galabru avait donné son accord pour reprendre son rôle d'Émile, et les quatre charlots devaient être réunis, avec en plus Louis Rego, qui faisait aussi partie de la troupe, mais qui était absent dans ce film, ce qui aurait reformé le groupe initial. Et les charlots, ils ont un parcours particulier dans les années 80, ils vont plus ou moins se séparer, ils vont se retrouver je crois dans les années 90. Leur pic, leur grand moment, c'était vraiment les années 70, début 80. On en parlera sans doute à l'avenir sur cette chaîne, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis ravi d'avoir commencé, initié la playlist des charlots, j'espère qu'on en fera d'autres, j'espère que vous aurez envie que j'en fasse d'autres. Pensez au like, commentaire si jamais vous avez apprécié la vidéo, aidez-la à bien fonctionner et à la chaîne à être plus connue sur YouTube, je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour la 200e, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, ciao. À la force du dragon ouais, ça... Arrêtez de piquer ce qu'il est cool.